Premier petit déj en direct de. T'as filmé déjà? J'ai pas parlé, j'ai juste filmé. Tu voulais pas montrer ta voix sexy du matin? Ouais, j'étais pas prêt là. Okay. Et oui, vous avez compris, on arrive à Tokyo, nouveau vlog. Ça va, Alex? Ça va, tranquille. Hein. Bien dormi? J'allais chercher la carte SIM ce matin. Bien dormi. Ça va. Faut dire, donc on est arrivé hier, c'était genre 13h, on avait la chambre à 15, on a traîné un peu, on a visité un peu tout ça. On n'a pas filmé parce que vu qu'on n'avait pas dormi, on n'avait pas des têtes pas filmables, c'était pas possible. Là on a dormi 12h et on va chercher une salle, voir si on peut filmer parce qu'hier on est passé dans un gold gym. Toucher la main là. C'est toi qui te rapproches, tu fais tomber la petite mèche sur le visage, c'est de me draguer là. Hey, c'est toi avec ta petite couette là, des demi-queues et tout le mec. Bref, on va voir si on peut filmer dans le gold gym. Ce matin, petit déj, qui était pas très copieux. On mange du poisson. Les gens ici, la plupart des gens, ils mangeaient du poisson le matin, petit déj, c'est dur quand même. Et à l'hôtel, c'est pas petit déj à volonté comme il y a en Europe ou quoi. Ici, ils servent un plat. Mais c'est pour ça aussi qu'ils sont assez fins. Il n'y a pas trop de gros, parce qu'ils mangent pas énormément en fait. Bah, les portions, c'est pas la folie. Là, j'ai faim par exemple. Donc, je pense qu'on va revenir bien sec. Oh, c'est dur, hein. Avec le décalage horaire là. Entraînement. Ici, il faut pas crier ici. Entraînement terminé en direct de Tokyo. Faut rester propre et droit, marcher dans les lignes. Là, franchement, j'ai jamais vu une salle rangée comme ça. C'est incroyable. Chaque poids et avec sa lignée de poids, il n'y a pas de problème. Les 2,5 avec les 2,5. Il y a des emplacements où tu poses tes pieds pour marcher aussi dans la salle. Non, c'est pas vrai. Là, bon entraînement, c'est juste, c'était dur avec la fatigue. Je sais pas si. Lui, il a bien dormi cette nuit, moi j'ai pas trop dormi. Et là, c'est l'heure d'aller manger. En fait, hier, on est passé ici et il y avait la queue. Bon, hier, elle était plus longue que ça. Quand on sait pas. Hein. Et moi, je crois, je crois, c'est des nouilles. Donc là, on sort de la salle, on a la dalle. Et après, cet après-midi, on va essayer de se faire beau gosse un peu. Faire quelques photos dans Tokyo et visiter. Après 45 minutes, et sans mentir, ça m'étonne. C'est intéressant. J'espère que c'est incroyable. Ça y est, on est servi, on va goûter ça. Bon, ça a l'air spécial. C'est joli. Vous avez vu, il n'y a pas énorme de place pour manger. C'est ça que ça mettait longtemps. Nous, on pensait que les gens allaient emporter, mais tout le monde faisait la queue en attendant que les gens sortent et qu'ils puissent manger à leur place. Bon, moi j'ai mangé le poulet, après je suis pas trop fan du goût. Ça va, Alex, il va mettre 12 ans à manger son plat. Je galère. Parce que bien sûr, c'est avec les baguettes. Le mec là-bas, il aspire tout ce temps. Et je pense que c'est normal de manger comme ça, on critique pas.
Et vu que nous on aime pas trop les bruits de bouche, on a envie de le tuer. Vous écoutez? Oh putain, ça stresse. Bon, débriefons. T'as aimé? C'est un peu curieux. Ça va, non, non, ça va, moi ça va. Un peu plus, j'ai plus aimé que toi, je pense. Bah, j'ai pas aimé, mais le poulet en fait il est pas très cuit. En fait, il est c'est bouilli. Un goût de bouillon. On n'a pas l'habitude. Ah. Le poulet il est bouilli. Et en fait, souvent, nous on allait à Aubervilliers chez des grossistes chinois. Ça sentait exactement cette odeur. Il y a une odeur particulière. On savait pas ce que c'était cette odeur à chaque fois qu'on allait là-bas. Mais c'est ça en fait, c'est le poulet bouilli. J'avoue que moi l'odeur ça m'a un peu dégoûté. Et puis c'est dur de manger, vraiment il n'y a pas d'espace et tout, je critique pas, hein. On se fait juste aux habitudes, aux coutumes. Mais ouais, c'est allez, un peu l'opposé de moi. Je trouve que c'est trop petit, j'arrivais pas à écarter les bras, je pouvais pas bien manger, ils aspirent tous. Déjà normalement nous deux on comme mange, ça. On mange jamais à côté, normalement. Donc voilà, c'est pas le top. Pour l'instant le Japon niveau bouffe, c'est pas ce que je préfère. Moi. Hier on avait mangé quoi hier? Hier Ah ouais non, moi j'avais pris genre du poulet. Comme si je pensais que c'était des genres de nuggets. Sauf que il y avait la panure, mais dedans, il y avait la peau du poulet. Ah ouais, c'était très gras. Très très gras. Ah ouais, mais ouais. C'était pas mauvais, mais très gras. Ça m'a un peu dégoûté. Bref, maintenant faut goûter les. Bon, il va falloir travailler ton endurance de l'épaule. Change de bras, je pouvais plus tenir. Ouais, juste faut qu'on teste les sushis quoi. Parce ouais, que, faut qu'on mange du poisson, je pense que c'est ici le meilleur. Non, kiff de ouf en plus les sushis. Ouais, j'en mange au moins 2-3 fois par semaine. J'arrive pas à cadrer, j'en peux plus au niveau du bras. Bon, allez. Salut. On va se laver. Bon, on visite, et j'ai une petite question pour toi, Alexandre. Est-ce que tu as testé les toilettes japonaises? J'ai testé. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je sais pas si vous savez, donc au Japon, il y a aussi du papier toilette, parce que je pense que dans les hôtels, ils savent qu'il y a plein d'étrangers. Mais sinon, vous appuyez sur un bouton, il y a un petit jet d'eau qui sort de je sais pas d'où dans les toilettes, et qui vous nettoie. Pour ça que tu es resté aussi longtemps, toi. Moi j'avoue, c'est pas pour moi, je supporte pas. Ça chatouille trop. On veut pas savoir. Bah voilà, c'est traditionnel. Mais non, je trouve ça ouf parce qu'il y a plein de boutons en plus. Je pense qu'ils se font du mal. Ils se font des petits trucs, des petits délires, tu vois. Plus fort, moins fort. Ah, ça chatouille. Non, mais je savais pas ce que c'était. Comme un con, moi j'ai appuyé, tu sais, je vois des boutons en face du toilette, j'ai appuyé. J'avoue que c'est surprenant. Direction Shibuya, quartier branché de Tokyo. Fais pas genre je connais les métros, on n'a pas cherché, on a rien. La ligne 3 pour aller à Shibuya. Enfin, c'est la façon d'y aller la plus simple. Après tu peux aussi prendre la ligne 2 coupée avec le tram B8. Ouais bien sûr. Tu perds 2 minutes. Ok, là ça ressemble à Tokyo. Là c'est Tokyo, là t'approuves. Là c'est comme dans les films. Là. Et on dit ou pas qu'on est perdu, qu'on n'arrive pas à trouver la sortie dans ce métro? Et ça fait 10 minutes qu'on est dans les. Ça fait 10 minutes. T'as faim? Ouais. En fait, quelle assiette? Souvent dans les restos comme ça, ils reproduisent leurs plats en plastique ou en je sais pas c'est pas en quoi. C'est pas mal hein, comme idée, non? Ils kiffent. C'est mieux. En Thaïlande, ils mettaient des vrais plats comme ça. Qui te servent après? Avec les bouches autour. Bon, on a vu des vélos, on s'est dit peut-être qu'on peut louer des vélos, il y en avait plusieurs. Ouais, parce que ça fait bien 10 km qu'on marche là, dans cette journée. Et en fait, j'ai mal au bras. On demande aux flics, parce qu'ils étaient à côté des flics, et ils étaient déçus de nous dire que c'était les leurs. Pas nous les prêter ou nous les louer. Même les flics ils sont sympas, ils feraient tout pour toi. Ouais. Ils veulent pas décevoir les gens ici. Ils veulent te donner autre chose. Sorry. Mon uniforme, tu veux mon uniforme à la place? Je lui ai dit quoi? Je te donne mon sifflet si tu veux. Oh, Bershka, la classe. Hein. Ah non, pardon, pas de concurrence. Hades c'est mieux. Enfin, on va goûter les vrais sushis japonais. Ça donne faim?
Donc nous très traditionnel. Crevettes soit crues mais très traditionnel, crevettes, saumon, un peu des œufs, mais on n'a pas trop tenté les poissons mortels. Deuxième jour. Voilà. What? Après la salle, bien sûr, bon petit repas. Sauf que Alex, il était pas très bien. Donc au lieu de manger, il était au coiffeur. Vous verrez sa prochaine coupe après. Et pour moi, donc, des steaks et un peu de riz. Il fait couper les cheveux partout dans le monde. Allez, raconte. Il veut pas montrer. Il m'a fait une peu coup gros là. On aurait dit John Travolta, tu sais. Un mouton confiné. A mon avis, ils ont pas l'habitude de voir des cheveux bouclés. Le mec il était comme un fou, tu sais. Il est touché comme ça. C'était son kiff. Et après quand il me coiffait, parce qu'il m'a coiffé, il me faisait comme ça, tu sais. Avec les mèches pour qu'il boucle. Après il a pris 16 cheveux et il les a tirés en l'air. On aurait dit Marge Simpson. この心が揺れる時がある。それはバイト帰りのサンセットだったり、本の中に答えを見つけた時だったり、季節の変わり目を感じ。Petite pause à Shibuya. Donc normalement il avait pris un éclair et un cheesecake. Non, c'est pas vrai. Mais l'éclair a disparu en deux. Et moi aussi petit cheesecake et un petit thé japonais. Cheesecake c'est d'ici? Ouais. C'est japonais. C'est du sud je crois de Tokyo. Retour donc à la chambre, je vous montre vite fait mais c'est vraiment petit. Donc voilà, en gros c'est un lit contre un mur, une petite salle de une petite fenêtre, un mini bureau, c'est pas trop le bordel, l'entrée et une mini salle de bain. Donc voilà, on peut pas trop ranger les affaires et tout, mais par contre, vous avez vu ce qu'on a quand même, chacun notre chambre avec Alex. Là ce soir il y a Copo qui arrive, il aura aussi sa chambre, on dort pas ensemble. Et dès demain, c'est parti pour un nouveau vlog, donc j'arrête celui-ci. Aujourd'hui, on vous dit à très vite, et surtout d'ici là, gardez la pêche. Ah oui, dernière chose juste, demain j'envoie les messages pour les transfos, j'ai reçu plus de 500 demandes, vraiment vous avez assuré. Donc voilà, je peux choisir que quelques personnes, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas choisis. Mais voilà, pas le choix, faut forcément faire un choix justement. Allez, ciao. I'm choosing my own path and no one's making mine. No, I hit my goals, it gives a crazy high.